Donc là, on va attaquer la nouvelle zone pour ce nouveau épisode. Oh, tu es là. Oui, je suis là. Je suis impatiente. Tu es prête à partir ? Allez, on va aller à la Matrice 11. Les préparatifs sont terminés. Enfin, on dirait qu'il est temps de tester le détecteur de signal alpha. Bah oui. Oui. Et s'il fonctionne comme prévu, tout devrait être plus simple. D'accord. Laisse-moi te guider à la Matrice 11. Allez. Aïe. En plus, je crois qu'on a une 2-4 secondaires, je crois, à Matrice 11 ici. Il met du temps à démarrer, hein, le vaisseau. Et c'est parti, mon kiki. Ça, c'est une nouvelle zone. Ok, ah, ça a l'air assez désertique. Ok, wow, ça a l'air d'être une sorte de quartier. Genre de vieux quartier. Non. Non, vous me faites pas le métro. Hein. Non, pas le métro, hein. C'est terminé, hein. J'en ai marre des jeux avec les métros. Les égouts. Allez, c'est parti. Alors déjà ça. Aïe. L'équipe de la grande traversée du désert de Zion se dirige actuellement vers son objectif. Si d'autres participants sont arrivés en retard, veuillez retourner à Zion. Ok, donc on a tout ça. Moi je propose... Qu'est-ce qu'on a reçu en équipement? Le hockey. Le hockey, bordel. Ok, ça les boucles d'oreilles de Lily. Ok, quelle tenue on pourrait mettre, tiens, pour ce nouveau épisode? Alors, psydernétique, la combinaison d'exploration, la tenue de sport jaune. Allez, on va mettre celle-là, tiens, pour le coup. On va essayer de faire un épisode, un truc. Ok, ça c'est bon. Ok, donc, on a tout ça. Avec aller à la Matrice 11. Ok, elle est dans la tempête. Tuer 10 cadavres contaminés par des spectres. Trouver le remède contre la maladie du sable. Tour solaire. Complexe important. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Attends, petit scan. Attends, ouais, voilà, petit scan. Waouh, il y a du mob, hein. Enfin, même si pour le moment, c'est des faux cadavres. Il est là. Ok, juste de dispo. Un nano-élément avancé. Oh, attends, what? C'est quoi, c'est un champ de mine? C'est un champ de mine. Je pense, hein, je sais pas trop. Putain, par contre, je commence à avoir faim. Alors que pourtant, j'ai quand même mangé une bonne soupe. Ouais, j'ai dû manger un petit truc à la va-vite aussi. Je vais pas vous mentir, parce que... Sinon, c'était le retard pour le stream, et je pense que ça vous aurait pas plu. Ah. Heureusement que j'ai le double saut. Ok. Alors attends, petit scan. Je me tape pas un ennemi à la con. Matrice. Et donc on va dans le métro. C'est genre, c'est... Dans les jeux, on va dire un petit peu style horreur, horrifique, machin. Faut qu'il y ait toujours des égouts, des toilettes. Y'a pas de monde.
J'ai trouvé des infos extraordinaires, précieuses à propos de l'extinction de la colonie. La véritable traîtresse est dans l'espace. Néanmoins, je ne vais rien enregistrer ici, je n'ai pas assez de RAM. D'accord. Mais voilà, toujours métro, égout. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les jeux d'horreur? Métro. Égout. Qu'est-ce qu'ils mettent Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre Peut-être un petit manoir comme ça, des fois. Des fois, ils aiment bien mettre les manoirs. Attendez, cinématique. Ah, je crois qu'elle défonce la porte. C'est un vieux bâtiment. Plus grand chose ne fonctionne. Un complexe souterrain. Est-ce une sorte de bunker? C'en est devenu un, oui. Mais avant, c'était une station de métro. Le métro formait un réseau permettant aux citadins de se déplacer. Enfin, ça, c'était avant. Bon, allons vite chercher ce noyau alpha. Mais ouais, sinon, le chat, genre, est-ce que vous avez une idée? Ok, paramètre de... Okay. Une idée de, on va dire, des zones qu'on met, que les jeux d'horreur mettent généralement. J'en ai 4. Je pense que je vais mettre ça. Bouclier au bouclier, voilà. Comme ça on met la max. Voilà, oh, vache, je me suis auto-flashé. Ça s'ouvre ou pas ça? Non, ça ne s'ouvre pas. Souterrain. Ouais, des souterrains des fois, ouais, ça c'est vrai. Tu localises le noyau. Un instant s'il te plaît. Reconstitue les données cartographiques. Je vais commencer par entrer. Et ouais, genre métro, égout. Les souterrains, genre un peu style, t'es genre tunnel en pierre, etc. Pourquoi là ils mettent des explosifs? Quel intérêt. Oh, par contre, ça me flash la gueule, faut pas vous mentir. Des caves. Pas tant que ça. C'est particulier parce qu'une cave, généralement, c'est un cul-de-sac, tu vois. Un laboratoire. Un laboratoire. Les laboratoires, ils aiment bien ça aussi. Bon, là, on l'a eu notre... Ok, on a eu des boucles d'oreilles. On l'a déjà eu, notre laboratoire. Mais je comprends pas pourquoi il y a des explosifs pour aucune raison. Par contre, il y a de nouveaux ennemis. C'est moi j'ai pris un dégât. Dans des bois. Ouais. Ouais, après les bois, c'est faut les mettre quoi. Je sais que Alan Wake l'a fait. Ouais, je veux dire. C'est normal. Comment je me démerde? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Des guilds. Ah. Un. Non, c'est juste que je suis aveugle. Attention! Cet endroit est ancien, son intégrité est sûrement compromise. Ok. Il faut que j'aille là-bas. Le trafic a été interrompu afin d'assurer votre sécurité. Ok. Avis de retard des transports. C'est la SNCF. Pourquoi ne pas garder cette porte ouverte? Ignore ce qu'il peut se passer. Je sais bien. Ah, par contre, waouh, mais 1225 le truc. Ok, là on a un nouvel ennemi. Oh, nice.
Ah. Un petit peu chaud, hein. Tu. Personne devait travailler ici. Jetons un œil. Qui c'est à lui là? Il y a quelqu'un peut me répondre. Bon sang, tout le monde a été tué. Je vois rien, il fait trop sombre. Jérémy, c'est bien ça? Quel soulagement de voir tes envies. Attends, ton visage. Ah bah. je pense que c'était pas le fameux Jérémy que tu connaissais. Ah. Attends. J'ai entendu quelque chose. Derrière. Oh mon dieu. Le Nighty va utiliser un cadavre comme hôte. Oh là là. On va sûrement rapidement en croiser d'autres. Je n'espère pas. Donc ok, donc il faut qu'on les tue assez vite en fait. Polymère extrême. Voilà. Mais non, c'est vrai qu'en vrai, c'est l'arblade, franchement, il est satisfaisant. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est du action-aventure avec une petite dose de Souls, tu vois, genre para. Tu vois, genre parade, esquive et tout ça. Et examiner les alentours. C'est ce que je comptais faire, hein. T'es pas obligé de me backseat. Hein. Oh putain! On a raté! Ah putain, l'autre il m'a fait peur, tu sais. Je me suis dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Il m'a interpellé. Ok, là il y a rien d'autre à part juste ça. Mais non, c'est vrai que Stellar Blade est vraiment très, très agréable à jouer. Personnellement. Ok, donc c'est la... Ça, c'est... Ok. Ok, et lui... J'ai vu quelque chose d'incroyable. Mes compagnons d'armes étaient morts, ils sont venus à vie. Mais ce n'étaient plus des humains. Des tentacules leur sortaient du visage. Comme si leur corps n'était plus que de vulgaires pantins. Ah bah, t'en as fait les frais, mon gars. Des bidons d'huile ici aussi. Oh la vache. Voilà, j'ai laissé faire en sorte à ce qu'ils prennent les cadavres. Oh
Voilà, comme ça en fait ça me permet de, d'avoir le truc genre comment le dire ah putain il y a une ruche de genre l'objectif secondaire. Ici, oui, ce sont des preuves que des survivants ont vécu ici. À quand remonte la dernière robe tricotée quotidienne. Oh. Je sais pas s'ils ont pas parce que... Nous avons choisi de nous isoler pour éviter le danger. On a créé des rares et du gaspillage et nous sommes serrés les couilles. Hélas, la main s'est abattue sur nous auprès de... après de tels tremblements de terre. Les monts ont réussi à s'infiltrer dans les cratères provoqués par ces séismes. Les pauvres, les pauvres. Ok. Ok, on n'est pas obligé de leur tirer les trucs, c'est juste de les attaquer. Mais je pense que c'était que pendant la phase de flingue en fait. Attends, il y a des balles. Pas des canettes des fois par terre. Non, 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 sinon elle aurait fait l'effet. T'es genre talalala. Non, ça c'est des balles ça. Ça, ça me fait penser à Metro. Metro 2033. Attends, doucement, allons pas trop vite parce que s'il y a des tremblements de terre et qu'il y a des bois. C'est sûr. Oh la vache. Voilà. Spectre Berserker. Ah, dis donc, ça y va, hein. Après, je scanne assez souvent. Waouh, putain, je vous flash la gueule. Ça a l'air sûr ici. Reposons-nous un peu. C'est pas un mob que j'entends. Ah putain, oui. Le dieu d'amélioration du drone. En vrai, c'est dommage que j'ai pris quelques dégâts, sinon on aurait continué. On va moins faire ça. Ah, ya. Alors, j'ai que 1 SP. Normalement c'est pas terrible, c'est juste un simple camp. Reposons-nous. Ah, on est encore à 1023. Déconcentré par le butin. Il a tellement raison. Ah. Ah putain, c'était là.
Ça me fait ouais, ça me fait penser à Resident Evil 6 là, avec les putains de trains qui se baladaient là dans la campagne de Léon. Mais j'espère que ça va pas ruiner. Que ça m'a pas ruiné du loot. Ok, ça généralement je le sens super mal. Il n'était bien qu'on ne connaisse pas la peur, c'est pour cette raison qu'il recule jamais. La peur n'est de l'ego. Les timides ne sont pas des êtres vivants qui n'ont pas de conscience. N'hésitez pas une seule seconde à les éradiquer totalement. Matrice 11, décharge. Conservons bien le code, il ne faut pas le perdre. C'est quel code? Impossible d'avoir des... Ah putain, on n'a pas de terrain. Oh, au secours. Il n'y avait pas un endroit où on n'avait pas un code. Décharge. Ah bah voilà. Très simple. Oh, il y a des ennemis. Ça, il faut ça. Ça va être dur de passer. On ne rétablit pas le courant avec une cellule à fusion. On aura peut-être plus de chance par en bas. Lorsque l'ascenseur s'est arrêté, la porte s'est ouverte, la lumière s'est propagée. Le soleil n'a pas fait fondre ma peau, ses rooms étaient simplement chauds et agréables. J'ai enfin trouvé les portes du paradis, je le savais. Je dois absolument informer l'équipage inférieur de cette découverte. Ok, ça c'est bon. Il est déjà 1h du mat. En vrai, ça va. Hein. C'est bien de pouvoir s'amuser sur un jeu et que le temps passe pas vite en fait. Genre, c'est genre. Merveilleux. Ok, ça c'est pour appeler l'ascenseur. Bon, moi j'ai pris la manière forte. Et là j'imagine qu'il va avoir un joli boss. Au moins un soldat élite. Où est-ce qu'il m'attend? La décharge. Ils sont nombreux. Analyse la situation avant d'y aller. Ah bah. Et d'où ils sortent? Voilà, dans sa gueule. C'était plus compliqué que prévu. Est-ce que tout va bien? Ça va. Ouvrons cette caisse. Ok. R. U. On est bien, on est bien. C'est une autre cellule à fusion. Ok, il y a des guilds. Oh, c'est dégueulasse quand même. Hein.
Ouais, c'est dommage que le petit dash dans les airs est... Il est court. Allez, prenons l'ascenseur. Le petit scan comme ça, tu sais, genre, tu sais, t'as pas trop envie d'avoir un guet-apens. J'aperçois enfin la lumière. Je distingue également. Je suis qu'à faire deux, je ne tire rien du tout. Il faut sans cesse me protéger. Je veux développer mes capacités pour protéger mes proches. Ok. Ah oh, putain, il attendait. C'est bon. Non, il y a pas un autre. Juste pour ça. J'ai même plus à boire. Ok, on en est où? Ça va, on est à 27 minutes de vidéo, on est bien. On est large, bien. Trouver le remède. On est encore à 900 mètres, hein. Pour le truc du remède, hein. Et là c'est toujours un petit camp normal, ça c'est un petit peu chiant, j'aurais bien voulu un vrai camp. Ouais, on va faire ça parce que j'ai quand même perdu des trucs. Hop, se reposer. Ça va, ils réapparaissent pas eux. Oh, ça pue le boss. Non, il y a un truc. Attendez, il y a peut-être un truc. Je pense pas. Après, ça peut faire une belle vignette comme ça. Le signal du noyau provient du chemin là-haut. Trouvons un moyen d'y monter. Attends, tu vas vraiment y aller? Ouais, en fait, il y avait rien du tout. C'est juste pour faire le petit côté. Un petit zoom. Un petit zoom. T'es sûr? T'es sûr? Oh! Tu es sûr de toi? Une erreur et c'est fini. Ça va aller. Ça va... Non, ça va pas aller. Ok, il faut que je fasse ça. Alors attendez, parce qu'il y a plein de trucs à... Oh, à faire. J'aime beaucoup, hein. Moi franchement j'adore les zones comme ça, genre, et tu vois, genre truc infini, tu vois pas le bout, tu vois, même là, hein. Ah moi ça me fait kiffer ça. Il y avait un manga que j'ai beaucoup aimé dans le même style, qui était un peu post-apo, où en fait toute l'humanité vivait dans un sort de carré dans l'espace. Je sais plus le nom, si quelqu'un a le nom, je suis preneur. De toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Vraiment juste pour des guilles. Ah, la corde même. C'est possible, c'est possible.
face, ne regarde pas en bas. Oh, oh allez. Ok. Alors. Alors, maçon, c'est Gil. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être un. Oh, il y a des trucs. Hein. Il y a une corde. Oh la vache. Ah, c'est... Je pensais, je peux pas, ouais. Oh la vache. J'ai un mauvais pressentiment. Il n'y a pas d'autre chemin. Reste près de moi. Attends, et en bas on peut pas y accéder? Oh, 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 oh putain! Ok, alors je vais tenter un truc débile, hein, mais... Je pensais voir si on pouvait faire une exécution. Mais non, impossible. Bon, c'était un test. Parce que le truc, en fait, il faut monter là-haut. Mais je... Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Par contre, il est où, mon drone? Où est... Ah, ça va, il est là. Donc ouais, en fait, c'est pour ça. Parce que j'ai dit, mais en fait, c'est logique. Tu vois, genre, tu vas là-bas, tu sautes dessus. Quand tu regardes le vide, ça rend... Très bien. Aïe. Ah mais... Ok, ça c'est bon, il y a un coffre là-haut. Ok, bon bah finalement, faisons la suite ici. Allez, avance, avance. J'aime beaucoup la musique de la zone là, elle est très pesée. Alors ça, ça m'a l'air d'être la suite. Non, c'est pas la suite ça. Non, non, la suite elle est là. Oh là là, Yamakasi. Oh là là, Uncharted 2. Oh. 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 Waouh. Cinématique. Bah dis donc. Tu vas bien? Ça va. La caméra, vu comment elle est placée, juste au cas où, mais ça va mal finir. Ah, voilà. Uncharted 2, les amis. Hein. Oh putain, QTE! Oh, let's go! Face. Vite, ça s'effondre! Wow! Hé, par ici!
Ouah, les QTE, ils sont trop chauds. Hein. Bon sang, cours. Vite. Oh la vache. Oh putain, c'est pas fini. Cette sensation pour aujourd'hui. Je suis bien d'accord. C'était moi une. Merci. Waouh, un merci pour moi. Je risque de m'y habituer. Personnellement, je mettrai un boss. Personnellement, je pense que c'est le moment idéal de mettre un boss, tu vois. Tu vois, des petites caisses, des... Je suis quoi? Je suis sur mon balle. J'ai que 3 balles, j'en ai tellement peu. Ah, ça va. Ouais. Voilà. Surtout, 22 balles. Et là, ils mettent plein de trucs de munitions. Obus explosifs et tout. Je sens que mon PV dans le non limité, ça va être de manière continue. Certainement les PV 2. C'est un camp de ratel. Non, ça, ils ont pas mis de nuit. Cette fois, on fait une pause. Une vraie pause. Okay. On est à 674 mètres. Ah oui, là, c'est la vraie pause. Ok, hop. On est à combien d'heures d'épisode? On est à 36 minutes 50, ça va. J'ai connu pire dans la vie. Ah, hey, ah. Alors, est-ce qu'on a des points de compétence? J'en ai que 2, c'est pas beaucoup. Mais je pense que pour le coup. On va mettre ça pour récupérer de l'énergie bêta. Amélioration de l'injecteur. Comme ça, j'ai beaucoup plus de soins. En nano-combinaison, nous avons robe tricotée au quotidien. Allez, on va partir sur cette tenue. Qui est très stylée. Avec les porte-jartelles. Moi, je suis toujours sur mon enchaînement. Je regarde s'il y a autre chose. Moi, le taux de coup critique. Bah, je vais mettre ça, tiens. C'est, je vais l'équiper, celui-là. Et la puissance des attaques à distance. Le drone. Ah. Le 24 missile peut être porté au maximum jusqu'à 5 missiles. 50 balles. Équipe des charges supplémentaires. Permet d'effectuer des tirs de chevrotier en mode combat à distance. Maintenez L2 et carré. Allez, pourquoi pas. Permet des munitions explosives. Allez. Et on va... Ah merde, j'ai pas assez. Ok, ok. Ok, ça c'est bon, on a beaucoup d'argent aussi, donc on est bien. C'est vrai que c'est très stylé. Ah, là... magasin, hein. On a des trucs dans le magasin. Quantité, grenade ionique. Attends. Voilà, on va acheter les balles, comme ça on est bien. Et comme ça, on peut s'asseoir pépé. À quelle distance se trouve le noyau alpha? Oh, oh. Elle a croisé les jambes. T'es bordel. Je sais que tu fais une pause. Enfin, voyons. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Je devrais peut-être m'occuper du guidage. Tu pourrais faire ton travail et me laisser faire le mien. Bon, arrêtez. Calmez-vous tous les deux. On y va. Voilà. Et ben, on y va. Open the gate, oh. La porte. La porte. Ouvre-moi. La porte, elle a coupé. Oh, une autre secousse. Allons-y. Attends, attends. Doucement. Ah, j'attends. Ah!
Ah, ça va, il explose. La porte, elle s'est fermée, elle a compris ma volonté, elle a vu qu'il y avait la ruche, il a fait... Il veut pas. Il veut pas. Ce jeu me troll. Entre ça, tout à l'heure, là, le mec qui fait... ça se fait pas de rentrer chez les gens comme ça, tu vois. Et ça fait que, genre, ça fait que le jeu avait crash. Caméléon. Oh. Pour Adam. Merde. Ah, ça va, c'est un gunner. Quoi? Ah non. Ok, je pensais qu'il y avait encore un autre ennemi. C'est vrai qu'ils sont un peu chiants ceux-là. Faut pas vous mentir. Il est mort. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde. Ok. Bon, ça va, c'est simple. J'ai eu peur. Pendant un moment, j'ai eu peur. Ok, hop. Ça, c'est quoi? C'est balle. La suite n'est pas par là. Nano-élément. Sortons d'ici. Ok, alors attends, il est où le piège là-dedans? Parce que si je peux monter là-haut. Hey, regarde dehors un instant. C'est dévasté. L'époque où Xion était peuplée me manque. Ah ouais. Tu scans, s'il te plaît, le jeu? Non? Ah non, parce que voilà, on passe par là. Ok, il y en a un, il a une sorte de belle hache. Là, on a une humaine qui va me donner un bonus. Et là, j'attends qu'il y en a un qui vient. Oh bah ouais. Allez. Voilà. Bon, j'ai vraiment foiré mes coups. Ok, là y a rien. Et l'autre, ça doit être au-dessus. Ok, ça c'est une mission.
le bêta. Oh la vache. Bon bah super. La musique est un peu bizarre. Il y a un petit air de Nier. Ok. Je remonte comment? Je remonte comment? Okay. Ok, les ennemis sont en bas. Polymère extrême. C'est bien, on a du polymère. On a de la chance. Je perçois un point de ravitaillement. Ouais, ça va ce qu'il dit. Ok, là il y a beaucoup, mais beaucoup. 1, 2, et là il y en a plein. Faisons attention, faisons attention. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on a un mode photo dans le jeu? Je crois pas. Hein. Ça, c'est Matrice. Hein. Je crois pas. Hein. Mot de passe. Ok, pour moi, on en a un. Il a été utilisé. Non, je crois pas qu'il y ait de mode photo. Mais si un jour il y en a un, ça va être de toute beauté. Ok. Ah non. Attends, oui. Ah ok, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté. L'état de Susan ne cesse de s'aggraver. Son reste à dire cellule qu'après sur la croix des neiges. Il faut remplacer sa cellule avant qu'il soit trop tard. Pablo, je regarde tellement mon ami, je suis désolé. Je suis petit, hein. Voilà, dans le cul-cul. Grenade. Ah. Elle, je pense, ça va me donner par rapport au PV. Ok, augmentation des PV max. Voilà, comme ça il a pas de petits mobs. Il y a une route là-haut. Et il y a un camp en face. Arrêtons-nous. Je peux enlever mon casque.
Oh putain. Ok. Et il se suicide devant moi. Il m'a mis un gros coup de boule. Attends, il veut prendre une pause. Polymère. Ah, hey, qu'un point. Profitons parce que oui. Ok, il n'y a pas le... Ok, il n'y a pas le... le suicidaire. Humain. Merde, j'ai raté un humain là-haut. Non, non. Ah, il vient pas jusque là. Il vient jusque là. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, ça nous laisse tranquille. Et comme ça, je vais pouvoir fouiller ce petit humain. Mon cher fils, je vais bientôt mourir. Ne sois pas triste. Quand la présence de la matrice s'étendra sur Terre, nos souvenirs seront connectés. En attendant, j'espère que tu feras ta part. Mon cher fils, il est temps pour moi de te dire au revoir. Ok. Eve, attends. Tu as entendu ça, là-haut? Ouais, j'ai entendu. Le stalker. Prépare-toi. Dans la démo, on avait fait le sort de défi de boss. Voilà, Rail Depot Ferroviaire. Il se cache. Voilà, il est là. Il est là. Oh, je lui ai rien fait en dégâts. Allez. Voilà. Oh parfait. Oh parfait. Voilà. Et je le chevauche ce bâtard. Esquive. Voilà. Voilà. On l'a éclaté. Incroyable. Incroyable. On l'a déglingué.
Ah, franchement, on est arrivé à... On a fait pas mal d'esquives, on a les parades, on est arrivé en mode tac, tac, tac. J'ai juste pété ça. Bon, bah voilà, il était là, notre Nighty Ball, enfin. Bon, bah, ramassons ça. Hein. Et oh, il a l'air pas... Nouvelle compétence. Ah! Lorsque vous essayez une esquive parfaite, une éclipse ou une répulsion, vous récupérez l'énergie spontanée. Vous pouvez utiliser l'énergie spontanée pour déclencher vos compétences spontanées. Donc ça fait, il fait ça, elle fait ça, elle fait attaque. Et je pense qu'il y a un truc qui saque. Lorsque vous maintenez R1, appuyez sur triangle, carré, rond ou croix pour utiliser une compétence spontanée. D'accord, utilisez les terminaux pour obtenir des récompenses, des compétences spontanées. Lorsque vous utilisez les succès, la compétence contre ou reflet, appuyez sur triangle pour faire une attaque supplémentaire. Ah oui! Donc en gros, il faut que je fasse tac, que je maintienne carré, par exemple, ou croix, je crois. Et après, je fais ok. C'est... faut le faire. Parce que... ouais, moi, c'est L1. Ah oui, R1, d'accord, ok. Hein. Alors, vous le voyez pas, mais regardez. En fait, moi, en bas à droite, j'ai ça, mes compétences... genre, j'ai mes compétences, L1. Et en fait, R1, j'ai là. Après, moi, les caméras, je préfère les mettre en bas à droite. Je pourrais les mettre en haut à gauche ou en haut à droite. Mais je trouve que c'est pas fait. C'est pas fait pour le gameplay, je trouve. Ça ne va pas être évident. C'est plus agréable. Moi, je trouve que c'est plus agréable de... qu'on se trouve en bas. Que on se trouve en haut. Mais ça fait le truc que j'ai tué. Est-ce que... genre, vous me permettez. Nightiba. Ok, des mythes. Des spectres. Des Spec Berserker. Ah non, c'est juste un élite. D'accord, c'est pas un alpha. La musique, elle est incroyable. Ok, parce que attendez, il faut que je regarde ce qu'il y a. Ok, c'était surtout pour ramasser ça. Ah bah tiens, regardez une canette. Fait au café vanille. Bah voilà. Deux. Des canettes? Ouais. Ok, alors attendez, parce que... ça, je vais l'activer au cas où. On sait jamais. J'imagine qu'il faut que j'active ça. Ce monte-charge devait servir à nettoyer les wagons, non? Et si on utilisait le panneau de contrôle pour traverser? La sortie est de ce côté. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et après, je fais comment ? Ah ouais, si je devrais... si je pouvais le ban, ça serait bien. Attends, parce que... il n'y a pas un autre de truc, là? Élément... ah, il y a un élément à l'intérieur. Mais c'est vrai que, ouais, il backseat un petit peu. Ah! Ok, alors attendez, ça donne un mot de passe. Ça doit avoir un lien avec le train. Alors. D'accord. Je vais fouiller à nouveau le train. Attends. NZ2
R5. N7 de R5. Ok. N7 de R5. Pour me faciliter, j'ai pensé à N7, les soldats d'élite humains dans Mass Effect, dont Shepard en est le chef d'ailleurs. Je veux dire, en est le chef, en fait partie. Ah, petite cinématique, petit repos. Je détecte le signal d'un noyau venant du dessous. Je crois qu'on va devoir prendre un raccourci par les égouts. Encore des égouts. J'aimerais éviter de finir trempé. Le réseau de transport a été construit au-dessus des égouts. Si ça ne te plaît pas, on peut trouver un autre chemin. Oula. Qu'est-ce que c'était ? Oula. Oh la vache. Oula. Ce bruit, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que ça vient du réseau de l'escadron aéroporté ? Les Naitiba ne devraient pas pouvoir pirater les lignes de communication. Hein ? Ce son et le signal négatif du noyau Alpha sont identiques ? Bon sang. Il se passe quoi ici exactement ? Des choses. C'est à nous de le découvrir. Faisons vite. Je vois. Je connais que Shepard de Stargate, moi. Ah, tu connais pas le Shepard de Mass Effect ? Ah là 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 là. De toute façon, on refera le let's play. On refera le Mass Effect trilogie avant la sortie du 4. Parce que faut vous découvrir. Hein, pour que vous soyez prêts tout pour la sortie du 4. D'ailleurs, t'as fini le jeu Starfield ? Non. Je l'ai pas. Pour le moment, c'est vraiment mis de côté. Amélioration maximum. Oh, let's go! Pour le moment, c'est vraiment au max. Parce que c'est au max. Parce que j'ai pas eu le temps de rejouer dernièrement, etc. Ça fait que c'était un petit peu complicado. Donc, dès qu'à un moment, on sera beaucoup plus tranquille, ouais, pourquoi pas. Oh, j'ai gagné ça. J'ai gagné un nouveau truc, les spontanés. Au secours. Au secours, le truc qui s'agrandit. Je savais pas qu'un 4 était prévu. Ah ouais, franchement, ouais, il y a un 4 qui est prévu. Hein. Mais je suis chaud, j'aimais BioWare de l'époque. Ouais, Mass Effect, c'est le BioWare de l'époque. Après, BioWare reste toujours aussi bien. Hein. Contre-enchaîné. Ok. Ok, donc contre, c'est maintenir triangle. Faut que je le pense. De carré triangle. Ah oui, d'accord, et que je fasse ça, ok. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Sarah, je sais pas ce qu'elle est devenue, mec. Au moins la quantité d'énergie spontanée récupérée en cas d'esquive parfaite, c'est pas mal, ça a reflux enchaîné. Oh. Reflet 1 avec succès. Tenez, esquive carré. D'accord. Et après, il faut que je fasse ça. Mais c'est chaud, il faut y penser, hein. Tenez, triangle. Ok. Et ça fait quoi, ça? Tac. Tac. Tac, tac, tac. C'est vraiment stylé. Franchement, au niveau des... On va dire... Du design... On va dire pas du design des combats, mais de chorégraphie des combats, c'est franchement incroyable. Ouh. Oh, ça stylé, ça. Ah, ça, je sens Virgil, là, de DMC, tu vois. I am the storm is coming. Believe. Ok. Overdrive. Ok, puissant, évite d'aide. Non, on va mettre tempête. Et ça coûte 1. Mais attendez, on va mettre 1 à tout le monde. Et on va mettre celui-là. Voilà. Ok, ça va nous faire plein de nouvelles compétences, mais il faudrait que j'y pense. On va faire le petit repos. Ce bruit, ça pourrait être un survivant de l'escadron aéroporté. D'accord, Lily.
Je me dépêche. Lily, j'ai besoin de cette ligne de communication. Méchant. Quoi? C'est toi qui m'as interrompu. Arrêtez. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Ok, ok. Alors, attendez, on va se lever. J'ai juste ça à rajouter. Et après, on va stopper l'épisode. Et après, on entame le suivant. Réduction dégâts, vitesse d'attaque. Ok. Dégâts crit. J'ai bouclier max. Recharge d'énergie bêta. Réduction des dégâts au corps à corps. Vitesse d'attaque. On va mettre vitesse d'attaque. Ça peut être sympa, vitesse d'attaque. Adam, il a quoi? Il a caméléon. Allez, on va lui mettre caméléon. Et elle, on va lui mettre jour de pluie. Ça changera un peu. Et moi... Ok, moi c'est le tricoté quotidien. On va garder un peu, je pense, pour le moment. Et là, les exospagnes. Ah oui, j'avais dit que les dégâts critiques de 23%, le taux de coup critique des enchaînements de niveau 4 ou plus. Réduit 10% des dégâts infligés. Moi, c'est lui. Lorsqu'il subit 5 coups critiques, sur le vegan, ok, l'énergie instable fait plus de dégâts en chair. Ok, on va tenter celui-là, le type impact. Et après, contre la maladie. Ok. Et en banque données, on a tout ça. Les Nighty Bar. Je sais pas c'est lequel. Ils disent qu'il y en a que j'ai pas vu. Ok, c'était le spec combattant. Ok. Donc, on va stopper, on va dire, cet épisode-là. Parce qu'on est quand même sur une heure d'épisode. Je pense que ça va être bien, surtout qu'on a vaincu le boss. Parce que je pense que la phase égout va être assez lente. Au pire, je recollerai. Donc, je préfère stopper au cas où. Donc, voilà. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, hein, les épisodes sont pour ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Voilà, voilà.